Amen. Amen. Et après Conakry, nous avons décidé d'aller voir les autres localités. C'est là que nous sommes allés jusqu'à Sigiri. Amen. 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 Et nous avons vu aussi une ambiance là-bas terrible. Et nous avons travaillé avec eux, porté le message du Seigneur. Amen. Amen. Et après Sigiri, le Seigneur dit maintenant, voici le tour de Zénikouri. Alléluia. Alléluia. En plus, c'est depuis hier que nous devons être là. C'est depuis hier jusqu'à 7h moins. Nous sommes rendus à la gare. Vous cherchez de taxi ou de bus pour venir ici. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas trop de bus. Bus gal. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas trop de bus. Okay. Les seuls moyens que nous avons trouvé, il a oublié, c'est les taxis bus. Les taxis bus. Amen. Je vous dis la vérité, c'est un kilo pour la première fois depuis ça. C'est pour la première fois que j'ai vu que les gens peuvent s'approcher derrière les taxis et voyager. Donc on est resté à la gare. En espérant que de nouveaux clients vont venir. Vous comprenez que les clients vont parler de 7h jusqu'à 16h. Et pour 7h, on a un soleil très bien. On était mentalement démoralisé. Parce qu'on est pressé, on veut pousser. Alléluia. Amen. Et finalement, ça faut bouger dans un confinement dans le vécu. Dans un confinement dans le vécu. Je me suis rappelé d'une parole de Paul. Il dit, c'est à cause de toi qu'on met à mort tous les jours. Je suis prêt à cause de toi, ma vie. Et je me disais dans mon cœur. Et j'entends une autre fois qui me dit, moi j'ai souffert plus que vous tous. Moi je me suis dit, Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes entrés. Nous avons pris la route. Il comme ça, je crois. Nous avons pris la route jusqu'à Télis. Jusqu'à. L'apôtre Joseph m'a pas dit que la route n'est pas bonne. Amen. C'est ça mon premier marqué pour le nommer. Il m'avait pas dit ça. Au moins, il m'a dit pour moi, c'est que c'est une route que vous aurez. Ouais, bah, c'est bon. Quand on l'avait donné, ça fait bon. Quand on l'avait donné, donc on l'a mis ici. Et là, on a des bandits. Alléluia! Alléluia! C'est arrivé à quelqu'un, c'est ça, non? Que les choses ne veulent pas changer. Ah! On a une poussière! Ah! Pourquoi on a un gars? C'est dans cette poussière, on ira jusqu'à. C'est oui. Pour la nouvelle, on a un gars, on va voir le bazar. Cette poussière, elle était puissance. Amen! Pour la nouvelle, on a un gars, nous sommes restés jusqu'à venir ici. Bon, on va la puissance de soi libérée sur ces récoltes. Les malades seront guéris. Nous allons rencontrer le Seigneur pour pouvoir la vie. Et pour la maman qui va la dire comme un chant, on a la maman de nous résoudre au tango. Et pour la maman, on a la maman de ressusciter. Le Seigneur Jésus pour cette mobilisation.
Parce que globalement, la Guinée, c'est un pays jugement. Et jusqu'à ce que les gens arrivent à se réunir. Il faut accepter Jésus premièrement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le corps, c'est que tu dois te déplier. Tu dois lever les mèches. Tu dois lever les boucles d'oreilles. Le maquillage. Ce qui est en rebond. Tu dois enlever toutes ces choses. Qui peut enlever cela? Alléluia. Alléluia. Mais vous, vous l'avez fait. Vous êtes béni. Nous on a. Vous êtes béni. Nous on a. Vous êtes béni. Nous on a. C'est pourquoi Jésus dit vous, vous êtes mes amis. Il veut que Jésus dise à ta macarena. Lorsque Jésus viendra, voilà Jésus qui va parler. Lorsque la trompette va sonner, voilà tout le capa vous voyez là. Vous, car vous aurez une place spéciale à côté de Jésus. Vous n'êtes pas souillé. Avec le bon, vous êtes les vierges sages. Qui ont purifié, qui ont lavé leur âme. Qui ne se sont réellement préparés pour le retour de l'époux. Voilà Jésus. Donc vraiment, nous sommes heureux. Je vous salue aussi de la part de tous les responsables qui n'ont pas pu être là. Amen. En tant que tous de monde là. Donc je vous envoie les salutations de l'évangile Jean-Crassien. Je vous envoie les salutations du pasteur Apollos. Je vous envoie les salutations du prophète Étienne. Je vous envoie les salutations de tous les frères du Bénin de partout dans le monde entier. Le réveil de la Guinée est suivi de près. Les journalistes célestes sont déjà descendus. Les anges avec la caméra. Je le vois le Canada, il y a d'autres. Avec un micro. Avec un micro là. Ils sont les points des images. Dans les images. Et le mot de Dieu aussi nous suit. Il y a des plus bien dans des bouquins. Donc pendant que nous sommes ici, le monde entier nous suit également. Premièrement, voilà, voyez les langues des bouquins. Et le ciel nous suit aussi. Il est voyé bouquin. Donc c'est pour vous dire. Il va d'abord. Que ce qui était comme un rêve. Menekaya est devenu une réalité aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous sommes rentrés dans le rêve, nous avons le rêve dans la réalité. Et je sais que quand on a un moment de réveil, on va aussi témoigner. Amen. Nous regardons et la parole de Dieu va témoigner. Et le message du Seigneur Jésus, nous n'avons rien demandé que nous portons pour vous. Il a prié. Je vous ai annoncé au début. Il a pas gloire. Il dit moi-même je viens. Et j'habiterai au milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'ouvre la parole. Amen. Amen. Il dit. Je viens. Pour vous consoler. Je viens pour vous guérir. Je viens pour vous libérer de votre captivité. Je viens pour vous restaurer. Et je serai avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Donc bien-aimé, Nanoni. Toi qui es là, c'est je sais pas, c'est la première fois que tu es venu. Je veux découvrir cette réalité. Tu es l'invité spécial de Jésus. Et quand Alléluia. Amen.
Si tu es venu ici pour la toute première fois, à quel endroit on t'a donné le traité et tu es venu. Tu es l'invité spécial de Jésus. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'invité spécial? Car un invité spécial, c'est celui à qui on réserve des honneurs. Alléluia. Il laisse les autres, mais il s'occupe de ton cas. Donc, le cas que tu as amené, ou le cas que tu as amené, oublie-le. Amen. Oublie-le. Parce que le porteur des cas est là. Et si tu franchis les portes là, c'est que ton cas est déjà tombé dans le tout. C'est que ta maladie est déjà tombée dans le tout. C'est que ta souffrance a déjà tombé. Tu dis amen. Oh, amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Le programme, comment ça va se passer? Le programme est plus capable là. Vous allez voir que la journée est vraiment sérieuse. La base à Zimbabwe, la crée, programme. Nous avons environ moins de 40 jours de mission. Vous avez envoyé Gouléau dans trois pays. La Guinée, le Libéria et le Sénégal. Le Sénégal, 40 jours. Le Pona. Dans les 40 jours, le Pona, on a réservé les deux tiers pour la Guinée seule. Wow. Le Pona dit où la Guinée est la même chose que la Guinée avant de nous. Alléluia. Alléluia. La Guinée seule a pris les deux tiers. La Guinée a votre nombre et maintenant je suis heureux. Oui, l'église de Conakry est déjà établie. Conakry est déjà établie. Les serviteurs sont déjà établis. Ça veut dire que le réveil est déjà là. Quand on partit, il me voit rentrer dans toute Guinée. Amen. Papa, on n'est pas passé encore là. Ils vont passer. Et vous aussi, quand on passe aussi ailleurs. Donc, il n'y a plus de repos. Il est mal, oui, mal, regarde-nous. Monsieur, vous voulez vous annoncer qu'il n'y a plus de repos. On ne parle pas de mal, il dort bien. Les temps sont loin là, mais. Les temps sont finis. Luana da pe. Luana da pe. Luana da pe. Luana da pe. Alléluia. Alléluia. C'est quel nom ça? Guerzi. Guerzi. Autrement Pelé. Ah ok Pelé. C'est quel nom? Hein? Guerzi. Général de Pelé. Pelé. Officiel. Donc il y a un peu dedans. Ah. Amen. Amen. Comment on dit je vous aime après? On dit Kawel Kami. Kawel Kami. Jésus Kawel Kami. Alléluia. Alléluia. Jésus vous aime. Et je vais vous dire quelque chose. Avant d'arriver comme le Dieu de toi, Silas. Vous allez constater que les gens ne vous aiment plus. Vous allez constater ça. Les gens ne vous aiment plus. Depuis que vous avez dit que vous êtes venu dans ce réveil. Depuis que vous décidez d'enlever vos mèches là. Depuis qu'on a mangé dans le milieu les hommes des sorciers des sorcières. Dans le milieu vous allez. Les fossiles. Dans le milieu les hauts talons. Les mini jupes. Les tenues sexy. Les collants. Les fontaines. Les collants.
Les gens ne commencent pas à vous détester. Les gens ne commencent pas à vous traiter. Jésus.
appelle l'ombre des choses à venir. D'accord, la réalité de l'épouse est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit après la mort, là, il n'y a plus de mariage. En esprit, c'est ce que tu deviens. C'est fini pour toi.
Et il nous a montré tout ce qui va se passer après. Nous n'avons pas dans l'histoire. Il y a ce qui s'est passé au temps de Lot. Il y a
c'est bon, Satan dira que c'est mauvais. Mais quand c'est mauvais, dira que c'est très bon. N'écoutez pas, ne quittez pas les raisonnements. Alléluia. Quand ne découragez pas. Vous sanctifiez, vous dépouillez. De toute façon, on aura une séance avec les femmes. Amen. On aura une séance spécialement pour les femmes. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vraiment, bien-aimé, je vous vraiment vous encourage. Vraiment avoir accepté marcher dans la sanctification. D'accord, vous voulez que vous avez nous posons ces questions. Et mes parents qui n'ont pas fait cela, quel soit le sort, ne regardez pas ça, ce n'est pas ça votre problème. C'est pas votre problème. Amen. Amen. Parce que vous serez seul, eux aussi seront seuls. D'accord. Quelle que soit votre activité, vous serez seul devant Dieu. Quand vous êtes marqué, Amen. Amen. Quel que soit l'amour que tu as pour ton mari, tu sois seul. Donc ne te préoccupe pas de. Toi qui en vis et les autres qui vivent encore. Tu dois savoir que sans la sanctification, nul ne verra. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous allons échanger. Vous avez aussi la grâce.
Le frère de Sigrid a pas que on faisait on a échangé avec le chapeau content. Amen. On va vous recevoir ceux qui ont des situations spirituelles données. Amen.
Seigneur, je te cherche. Dis, Seigneur, je te cherche. Dieu, je veux te trouver. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi.
Seigneur te libère. Le Seigneur te restaure. Il essuie tes larmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'un avant-goût. Ce n'est qu'un avant-goût. Amen. Et si tu as reçu quelque chose spécialement, alléluia. Témoignez. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Asseyez-vous dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Amen. Nous sommes là demain à partir de 18h jusqu'à l'aube. Alléluia. Et après la prière, après la venue, on va directement à l'aube. Gloire à Jésus. Donc, viens prier. Alléluia. Dans les gens. Amen. La coupure des gens. C'est à partir de 16h. Alléluia. 16h à Fouille. Si tu peux faire à chèque, fais à chèque. C'est 16h qui est dans le programme. Alléluia. Et si tu veux rester ici, rester dans le plan du Seigneur, continue à prier. Alléluia. Fais-le. Et même dans ta maison, continue à prier. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, vous allez préparer vos offrandes. Alléluia. On va déposer nos offrandes. Ensuite, on va faire un péril. Mais demain ne vient pas sûr. Alléluia. Invite au moins, viens au moins avec 5 personnes. Pas invite 5 personnes, mais viens au moins avec 5 personnes. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne sois pas égoïste. Il y a quelqu'un que tu vas inviter, quand il va venir, il va écouter, il va dire, mais toi tu voulais me prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu es en train vraiment de jouir les délices dans la prière du Seigneur, il faut penser à d'autres personnes. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur bénisse. Donc, lève-toi avec ton enfant. Jésus. Et que tu s'enfuiras, que ce soit un point de contact, Seigneur Jésus,
afin de toucher s'il y a les finances de chacun, pour que Satan ne soit béni et que nous apportons encore des jours plus que ça au nom de Jésus. Amen. Agis maintenant et que la gloire de l'heure revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer, Père, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous savons que nous allons continuer encore demain. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, d'accompagner chacun de nous, saints et sauve dans nos demain recette au nom de Jésus. Amen. Père, renouvelle la foi de chacun, afin que Seigneur Jésus, que chacun de nous sort de ce moment avec un ou des témoignages au nom de Jésus. Amen. Père, je prie, Papa, que tout malade qui va mettre pied en ce lieu, qui sort guéri au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui vont venir avec des fardeaux, qui sort déchargés au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont emprisonnés, captivés, qui sont délivrés au nom de Jésus. Amen. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur, Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. L'écoute des âmes, il y a inspiration. Ce n'est pas que forcément c'est tout le monde. Mais toi qui as des difficultés, tu as inspiration, tu ne comprends pas. Alléluia. Tu vas avoir une direction. Amen. Viens demain. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À partir de 9h. 9h à 12h. Gloire à Jésus. 9h à 12h. J'ai compris.